Salut tout le monde, nouvel épisode de Terre Nature et Détection. Donc on est de retour dans ces superbes vignes. Je me suis mis à ras du sol parce qu'il y a un petit peu de vent et j'ai pas envie que ça crachouille comme dans les vidéos précédentes que vous avez vues. Donc du coup, on est revenu dans ces superbes vignes. Il fait super beau, super chaud, ça fait vraiment plaisir d'être là. J'espère qu'il va y avoir des trouvailles. La terre est un peu sèche, donc j'espère que ça va aller pour creuser. Mais bon, pour creuser, il faut trouver. Donc j'espère qu'on va trouver pas mal de choses. Comme dans les fois précédentes, il n'y a pas de raison. Hein. Et puis, je vous embarque avec moi et j'espère que cet épisode sera riche en trouvailles. Allez, c'est parti! Allez, un petit son en live, les amis. À 62, un petit son qui crépite, pas très très joli. Mais bon, on va le faire quand même. Bon, apparemment, c'est sorti là-dedans. Ah, je me rapproche ça. Ah, c'est pas beau. Hein. C'est pas beau. Mais bon. On va voir. C'est pas là. C'est là-dedans. Plof. C'est là. Et c'est dans ce petit bout de terre. Qu'est-ce que c'est? Ah. Oh là là. Regardez ça. C'est bizarre ça. On dirait une pièce avec une pellicule dessus. On dirait une argent. Vous voyez, avec... je vais essayer de la nettoyer un petit peu plus. Il y a des fleurs de lys. Oh bah merde. Il y a des fleurs de lys dessus. Alors, je vous montre. Là, ce côté-là, il est complètement rincé. Je ne sais pas si vous voyez, ça fait... Tout est argenté et au milieu, en dessous, on dirait du cuivre. Alors ça, c'est vraiment bizarre. Par contre, là, ce côté-là, il y a des fleurs de lys. Alors, je ne sais pas du tout. Vous voyez ? Petite pellicule en argent, argenté. Et par contre, sur les bords, c'est carrément... C'est carrément comme de la... comme du cuivre. Donc, écoutez, je ne sais pas du tout ce que ça pourrait être. On va nettoyer ça à la maison. Et puis, si vous avez des idées sur cette pièce, hein, parce qu'à mon avis... alors, j'ai entendu parler qu'il y avait des vraies fausses monnaies de l'époque. Donc, écoutez, si vous avez... des commentaires à me faire sur cette pièce, une fois qu'elle sera nettoyée, n'hésitez pas, on nettoiera ça à la maison et on regardera ça ensemble. Bah, belle découverte quand même. Hein. Moi, je suis content. Allez, on se reprend. Un petit trou ici, c'était pratiquement surface et je trouve ça une douille de balle, je sais pas, il y en a tellement, donc je sais pas si quelqu'un arrive à l'identifier pour éventuellement mettre une date sur cette douille de balle. Voilà, je la nettoierai un petit peu malgré que ce soit des objets que j'affectionne pas particulièrement. Je la nettoierai un peu et puis si vous avez des idées, vous me renseignerez sur cet objet. Je vous reprends sur un petit son. Juste en surface apparemment,
ici. Donc je vais le faire au pint. Et ça se trouve là. Je sais pas ce que c'est que cet objet. Une petite patine verte. Donc pas tout jeune. Mais je vois pas du tout. Vous voyez? Avec des petits trous là sur les côtés. En haut, ça fait un petit téton. L'autre a été cassé apparemment. Je vois pas du tout ce que pourrait être cet objet. Donc si vous avez des idées, bah, laissez-moi vos petits commentaires. Et puis on va continuer. A tout de suite. Regardez-moi ça, les amis. C'est pas magnifique, ça ? Deux petites chenilles. On va les appeler les tigres des vignes. C'est super chouette. Elles sont magnifiques. Bon, allez, à tout à l'heure. Un petit trou ici, juste en surface, et regardez. Un son dégueulasse à 51, et pourtant. Mince. Ah, c'est là. Regardez. Ici. Vous la voyez ? Regardez. Alors, je sais pas ce que c'est. On dirait une médaille, non ? On dirait qu'il y a des motifs dessus. C'est creux à l'intérieur, enfin légèrement bombé, vous voyez, légèrement bombé, et là on dirait qu'il y a des motifs dessus, je sais pas ce que c'est. Je nettoierai ça à la maison et on fera une petite photo. Voilà, allez, c'est reparti. Allez, nouveau petit son, un petit trou là, pas très profond. Et cet objet que j'ai déjà fait, alors je sais pas ce que c'est, je l'avais déjà fait dans les sorties précédentes, vous voyez, un espèce d'objet un petit peu, on dirait un peu comme une capsule, mais c'est joliment décoré, je sais pas du tout à quoi ça peut correspondre, vous voyez, avec un petit peu de, c'était attaché à quelque chose ou je sais pas. Donc si vous avez des idées sur cet objet-là, eh ben, laissez vos commentaires. Allez, on se reprend. Jolis son ici, les amis. Donc toujours, je suis juste à côté d'où j'avais fait ce fameux objet là. Et ici, regardez, une belle découverte, une belle petite monnaie, mais bien ravagée. Donc je crois que c'est mort. On nettoiera à la maison, mais je crois que c'est mort. Je frotte pas trop. Mais c'est cuit, je crois. Dommage. Petit d'été, je pense. Allez, à tout de suite. Allez, un gros trou ici. Assez conséquent. Et regardez. Je trouve ça. C'est une monnaie, je pense, mais elle est carrée, bizarre. Donc je sais pas du tout. Voilà. Je sais pas si vous voyez des restes. Moi je vois pas grand chose. À mon avis elle est bien amochée.
Mais bon, on nettoiera ça à la maison. Et c'est une belle découverte quand même. Ça fait plusieurs que je trouve des comme ça. Hein. Je sais pas. Laissez-moi des commentaires sur ces pièces qui sont à moitié carrées là. Savoir si c'est des pièces déjà. Et puis savoir comment ça se fait que certaines sont carrées comme ça, une forme carrée. Alors est-ce que les gens découpaient je sais pas. Mais c'est pas la première que je trouve comme ça. Voilà, belle découverte. Je vous dis à tout de suite. Encore un petit trou ici, toujours au milieu de cette belle vigne verte, bien verte, avec ce beau soleil. Donc là, ici un petit trou et il me semble un petit élément de boucle. Voilà, de quelle époque, je sais pas trop, mais ça doit pas être très 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 vieux. Voilà, une belle découverte. Belle petite boucle, enfin un morceau de boucle parce qu'il en manque un bout, mais bon, c'est une belle découverte quand même. Allez, on se reprend. Eh ben, je vous reprends tout de suite parce que du coup, je suis là, j'ai trouvé ma petite boucle. J'ai filé un petit coup de détecteur à côté. Et j'ai un beau son à 78. Alors, j'ai pas regardé encore, j'ai mis un petit coup de pelle. Par contre, je vais être obligé de prendre le pint parce que j'ai que deux mains. Et puis on va regarder ça ensemble. C'est ici. Et ça se trouve là. Attendez, je vais prendre la pelle. Et on va regarder ensemble. Mais c'est pas grand chose, ça doit être un couvercle. Un couvercle quelconque. Pas très récent, hein. Il est bien patiné, donc il doit y avoir de l'alliage dedans. On nettoiera ça à la maison, puis on regardera. C'est à côté de la boucle, donc je me suis dit c'est l'autre moitié, mais non. Voilà. Allez, on continue. Alors, on se reprend sur un petit trou ici. Toujours dans ces magnifiques vignes. Donc, un petit trou ici, et voilà ce que je trouve. Je vois pas du tout. Voyez, regardez derrière. C'est strié avec une patine verte. Et là, il y a des rebords. Ici. De chaque côté. Je vois pas du tout. On dirait qu'il y a un petit fermoir, vous voyez, ici, sur les côtés. Là. Donc, bah, écoutez, si vous avez des idées, laissez-moi vos commentaires. Et puis, on nettoiera ça à la maison, bien comme il faut. On y verra un peu plus clair. Allez, à tout à l'heure. Je le reprends parce que toujours dans le même trou, hein, vous voyez. J'ai repassé un petit coup de détecteur parce que cet objet m'intriguait. Et je trouve ça, un deuxième petit bout, qui ressemble pas mal, hein, avec des rainures, pareil, de l'autre côté, de chaque côté. Et puis, voilà. Donc à voir si ça peut s'assembler. On nettoiera ça à la maison. Et puis on verra ce qu'il en est pour cet objet. Pas mal d'objets aujourd'hui. Hein. Donc c'est bien, j'aime bien. Bon bah je vous reprends tout de suite. Allez. Allez, toujours dans le même trou. J'ai recreusé parce que ça a rebipé. Et je trouve encore une petite pièce similaire. Donc sûrement un petit bout qui appartient aux autres bouts qu'on a trouvés. Donc on essaiera de jouer au puzzle à la maison. On nettoiera ça comme il faut. Et puis, on verra ce que ça donne. Allez, à tout de suite.
Allez, je vous reprends pour la fin de cette journée à côté de cette superbe bergerie. Le soleil est de retour, ça fait énormément plaisir. Donc merci de m'avoir accompagné dans cette aventure cet après-midi des superbes vignes. Comme vous les connaissez déjà bien, il y a eu pas mal de vidéos dans ces lieux-là et c'est vraiment une vigne qui est vraiment magnifique, une vigne centenaire où on a découvert ce fameux faux d'époque, donc qui est un douzain d'Henri IV qui date à peu près du XVIe siècle. Donc à l'époque, le faussaire, hein, c'est le plus vieux métier du monde. Donc du coup, à l'époque, il frappait des monnaies dans du cuivre, dans du métal qui n'était pas très très précieux. Et il le trempait légèrement dans du métal précieux comme l'argent. Et il faisait passer ça, il balançait ça et il faisait passer ça pour des vrais. Et apparemment, ça marchait. Sachez qu'il y a une cour, la cour des monnaies qui a été créée... justement pour remédier à ce problème-là à l'époque. Et sachez que les gens qui transportaient des monnaies ou qui faisaient circuler des monnaies ou qui en fabriquaient étaient passibles de la peine de mort à l'époque. Donc c'était pas rien. Je pense que c'est des monnaies qui sont pas très courantes, enfin qui sont courantes mais qui sont moins courantes forcément que les autres monnaies. Donc c'était une découverte intéressante. Laissez vos commentaires également sur tous les objets qu'on n'a pas pu identifier. Merci encore une fois pour tous les nouveaux abonnés. Un grand merci à tous les fidèles qui sont déjà abonnés. N'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus. Et je vais vous souhaiter un bon week-end, une bonne journée. Prenez soin de vous. La pandémie, vous avez vu, c'est pas fini. Hein. On ne sait pas à quelle sauce on va être mangé. Donc protégez-vous, protégez les vôtres. Et puis des gros bisous et à la prochaine vidéo pour une prochaine aventure de Terre Nature et Détection. Bye bye. Bon week-end à tous. Salut. Oh,